À l'affiche de son nouveau one-man show baptisé Emmanuel 2, Manu Payet s'est livré en toute intimité pour la Tribune. Le comédien narre ses relations conflictuelles avec ses parents et son séjour marquant dans un pensionnat en Afrique du Sud. Si est-il sur son île de la Réunion que Manu Payet fait ses premiers pas en tant qu'animateur radio. Repéré par Énergie, il décolle pour la métropole et s'impose en 2002 dans l'émission du Morning. Un sens de l'humour qui fait mouche et qui lui permet de se lancer à la télévision dans des émissions parodiques sur la chaîne Comédie. En 2007, Manu Payet est couronné de succès grâce à un One Man Show produit par Dominique Farrugia, avant de s'imposer réellement sur le grand écran. À ce jour, alors qu'il est acteur et scénariste de talent, le comédien décide de retourner sur les planches. En pleine promotion d'Emmanuel 2, son nouveau spectacle qui vacille entre humour et vie privée, Manu Payet s'est livré en toute intimité dans les colonnes de la Tribune parue ce dimanche 19 novembre. Manu Payet, une enfance malmenée par des parents trop jeunes dans ce nouveau One Man Show, Manu Payet a décidé de se dévoiler sur scène, mêlant assidûment humour et pudeur. Pourtant, l'enfance de l'acteur n'a pas été un long fleuve tranquille. Aujourd'hui papa d'une petite fille prénommée Johnny, fruit de son histoire d'amour avec Pauline, une architecte d'intérieur, il revient sur sa relation compliquée avec ses parents qui l'ont élevé à la dure, ils m'ont eu à 20 ans. Ils n'étaient finalement que des enfants. Et comme ils ne savaient pas ce qu'il leur arrivait, ils me filaient des tartes, par inquiétude de ne pas faire assez bien. Entre coups de bâton et bouffe immonde, Manu Payet se rebelle lancé dans ses confidences, Manu Payet avoue qu'il était un enfant qui sortait toujours du cadre pour voir la vie de manière différente. Une désobéissance presque maladive qui l'a conduit à 3 ans d'internat en Afrique du Sud. Mes parents ne pouvaient plus. Là-bas, la fantaisie n'avait pas de place, sinon c'était plusieurs coups de bâton en guise de punition. Heureusement, quand Nelson Mandela est arrivé au pouvoir en 1994, année de mon bac, il a banni les punitions corporelles, confie-t-il. Lassé de bouffer des plats immondes à la cantine, Manu Payet a réuni ses camarades pour aller se plaindre au proviseur. Il a, grâce à son audace, été élu meilleur ambassadeur de l'école depuis 1877. Il y a même mon nom en lettres dorées affiché sur un mur du pensionnat, s'amuse-t-il à raconter. Article écrit en collaboration avec Cimedia. I just need